Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, on va aller regarder un tout petit peu la monétisation. J'en ai parlé dans plusieurs épisodes, je l'ai mis en place. Et qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis d'abord les pubs sur YouTube. Hein, j'ai mis en place Utip, qui vous permet d'aller regarder une petite pub et de me rapporter un petit peu de pognon. J'ai mis en place les liens affiliés Amazon et j'ai mis en place le magasin de t-shirts. Il est temps de regarder un tout petit peu tous les chiffres et tous ces trucs-là. Allez, c'est parti. Alors, première chose, on va aller voir sur YouTube. Donc, sur les 28 derniers jours, 164$, à peu près 115 000 vues. On va aller sur les revenus. Pour aller regarder ça d'un tout petit peu plus près. Qu'est-ce qu'on a sur les revenus? Donc, 164$ par mois pour l'instant, enfin sur vous, du 1er au 28 décembre. Et qu'est-ce qu'on voit? Premier revenu estimé, un épisode sur le projet guitare, rangement pour mon bois, truc pour mon bruit voisin. Mais c'est très très variable, donc il y a des épisodes qui sont relativement vieux, comme celui-là, qui date de décembre 2016, qui continuent à rapporter 6$. Et il y a des épisodes relativement récents. Donc en gros, aujourd'hui, je suis à peu près à 165$ sur la pub. On va aller regarder sur Utip. Alors il y a Utip, comme vous avez pu le voir. Les règles ont changé depuis le début que ça a été mis en place. Avant, on pouvait aller jusqu'à 5, voire 6 publicités. J'en ai une godasse. Regardez par jour. Aujourd'hui, c'est une, voire deux, voire une tous les deux jours. Ce qui veut dire que les revenus ont dramatiquement baissé. Sur les 30 derniers jours, 166,20€. Pour savoir... Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais une moyenne qui était à peu près de 300 balles. Et on voit ici, quand même, j'ai un montant total qui s'élève quand même à 1550€ que j'ai récupéré depuis le début de la mise en place de Utip. Donc je râle parce que ça a baissé, mais c'est quand même celui qui m'a rapporté le plus de pognon. On va aller sur Amazon. Alors ce mois-ci, le mois de décembre, 66€, 2100 clics et 79 articles commandés. Le mois dernier, 46,43€, pour à peu près le même nombre d'articles commandés. Et le mois précédent, 78,67€, pour aussi à peu près le même nombre d'articles commandés. Alors c'est... on est à une moyenne d'à peu près un peu en dessous de 80 articles commandés via... le plan d'affiliation. Au total, donc, depuis le début, 217,16€. Alors, quelque chose à savoir sur le programme d'affiliation Amazon, c'est qu'il vous paye en général 2 mois après, enfin un mois et demi après. C'est-à-dire, j'ai touché il y a quelques jours les 78,67€ qui ont été cumulés au mois de octobre. Alors, qu'est-ce qui se vend bien? The War of Art, 6 articles commandés. Le Blue Tape, la scie japonaise, la fleureuse, il y en a 3. Des tupperwares. la fin du travail, la semaine de 4 heures. Donc ça, à peu près 80 balles. Et on va aller sur le site de Spreadshirt. Ok. Alors, j'ai 14,75€. Alors, c'est très très obscur. En tout cas, je ne comprends pas. Alors, j'ai eu un premier versement de 86€ qui date de novembre. Et donc ensuite, maintenant, avec les différentes ventes, j'ai 15€. Donc, ça fait à peu près 100 balles. Donc, on va essayer de faire un peu de sens à tout ça. Si je résume, YouTube, aujourd'hui, c'est à peu près 150$. Utip, on en est où? 150 balles.
Amazon. Combien? 10, 40, 60. Allez, on va dire à peu près 60 euros. Et Spreadshirt. En gros, 100 balles, disait, en gros, ça fait à peu près 30 euros. Donc, aujourd'hui par mois, j'en suis à, on va dire, 390, 350. 350 euros. 350 euros, ce qui est plutôt carrément pas mal. 350 euros, c'est carrément pas mal. C'est beaucoup moins qu'il y a de ça quelques mois. Et comme je l'avais prédit, la courbe Utip est tombée. Et elle n'est pas tombée parce que moins de barbus ont cliqué sur le lien. Elle est tombée simplement parce que les règles de Utip ont changé. C'est un service qui est en alpha. Et donc, je pense qu'ils ont un budget mensuel à reverser. Et donc, ils modifient le machin à droite à gauche. Je vais envoyer un petit mail à Adrien. C'est vrai que ce qui est un peu chiant, c'est que vu les efforts que je fais pour promouvoir le service, le retour sur investissement entre guillemets, il n'est pas au niveau que j'aurais aimé qu'il soit. C'est pas dramatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faut que je passe moins de temps à promouvoir ça et faut que je passe plus de temps à promouvoir d'autres choses, comme par exemple Spreadshirt et les t-shirts et les pulls et les machins. Voilà. Peut-être essayer de trouver aussi d'autres sources de financement. Je sais pas trop lesquelles. Encore, si vous avez bien sûr des commentaires, des questions, des insultes ou des conseils, vous savez comment faire. Hein. Voilà, c'était un peu un petit bilan de la monétisation pour la fin 2017 et le début 2018. Le but n'est pas de monétiser comme un fou. Le but est d'essayer de faire ça le plus simple pour moi et qui soit le plus efficace. J'ai pas envie de passer énormément de temps à aller optimiser plein de trucs à droite à gauche. J'ai juste envie de mettre en place des systèmes qui me permettent de récupérer un peu de pépettes pour acheter des choses pour vous, justement pour vous proposer des épisodes qui soient les plus intéressants et surtout pour me libérer du temps pour vous permettre de les regarder. Petit aparté, il me reste encore des stickers que l'ami Morgane a imprimé. Merci Morgane. Si vous voulez recevoir un sticker, enfin un, en général j'en envoie 5 ou 10, enfin genre j'en mets dans l'enveloppe, c'est très très simple, vous envoyez une petite enveloppe timbrée, vous envoyez une enveloppe timbrée à mon adresse, qui est Olivier Chambon, la Grotte du Barbu, un square Yves du Manoir 91 300 Massy, et je vous mets quelques petits stickers dans l'enveloppe, je vous renvoie ça, pif paf pouf, allez hop c'est parti. C'est toujours intéressant de savoir, d'avoir au moins une idée de quels sont les efforts et quel est le pognon qui revient. Ce qui est clair, c'est que si ça continue comme ça, Utip va passer de mon top numéro 1 de revenus à une source de revenus que je vais promouvoir beaucoup moins. Et c'est normal. Un grand, 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 grand merci à toute la communauté des barbus qui continue à me soutenir, à envoyer des messages, à balancer des commentaires. Je vais essayer de prendre le temps d'y répondre. Pour l'instant, c'est un peu difficile. Mais je les regarde tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les psychopathes qui continuent à aller sur le lien Utip et à cliquer, à se mater des pubs pourries pour me rapporter un petit peu de pognon. Merci aussi à tous ceux qui commandent des trucs sur Amazon en utilisant le lien qui est dans la description. Et merci enfin à tous ceux qui se sont achetés du super swag, des super t-shirts et des super sweatshirts la Grotte du Barbu. Et puis en plus, ça nous aide. Donc merci à tous. Voilà, c'est tout pour cet épisode monétisation avec des vrais chiffres. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu sais comment ça se passe. Tu as des questions, des insultes. Tu veux dire que je suis un gros vendu. Tu sais comment faire. Tu vas dans la description ici. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Sam Cookcase, aller dans la description, cliquer sur le lien Utip, aller regarder une petite publicité, ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial monétisation fin d'année. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous
et que la barbitude soit avec vous.